pour qui c'est pas grave. Une mangue de moins ou de plus. J'ai peu d'amis qui le savent. Que chez nous, les mangues, c'est un luxe. Quel casse-tête quand je cuisine mes pièces de viande à rabais. Même la stupide margarine me dilapide le budget. Y en a pour qui c'est normal de mal désosser le poulet, de jeter le trois quarts de l'animal sans grimacer aux déchets. La plupart des gens s'énervent de voir le frigo déborder. Comme ils retrouvent plus leurs asperges, ils en rachètent au lieu de fouiller. Il y en a pour qui c'est juste drôle quand la petite dans son carrosse veut la poupée la plus grosse de tout le maudit Toys R Us. Il y en a pour qui les voyages, c'est pas Québec ni Laval. Ça traverse les nuages pour toucher leurs cinq étoiles. Chez nous, on serre la ceinture. Personne sait que je compte mes scènes quand il faut que je paye la facture du camping à Sainte-Madeleine. Pour faire le plein de ma bagnole, faut que je coupe sur les biscuits. Même la crème glacée est molle, c'est rendu que c'est hors. Mes amis, c'est chaque dimanche qu'ils se commandent des sushis. Ici, la fois qu'on en mange nous coûte 6 mois de spaghettis. J'suis pas du genre qui pleurniche pis qui quête des promotions. Mais des fois, je rêverais d'être riche pis de remporter des millions. Situation. Par chance qu'ils sont raisonnables, mes deux filles pis mon garçon. Je fais leur lunch toujours pareil, une petite sandwich au jambon. Mais savez-vous c'est quoi ma paye? C'est quand ils me disent que c'était bon.